Julien Hyde n'a pas dit son dernier mot. L'interprète de Comme tout le monde sait s'est affiché en studio avec un certain Ota, bien connu d'un autre académicien. Le finaliste de la Star Academy Julien Hyde n'a pas eu la même chance que son adversaire. En effet, Pierre Garnier avait eu la chance de réaliser son titre original que tout le monde connaît aujourd'hui. Ce qu'on était. Malgré ce coup dur, l'artiste n'a pas baissé les bras. Ainsi, il a pu de son côté sortir un single nommé Comme tout le monde. D'un style plutôt atypique, ce dernier n'a pas eu le succès escompté. Toutefois, cela ne remet en rien le talent du jeune homme en cause. Effectivement, Julien Hyde a eu l'occasion de briller aux côtés d'Elena dans Molière l'opéra urbain avec le célèbre Dove Atia. Depuis le début du mois de mars, Julien Hyde sillonne la France avec ses anciens camarades à l'occasion de la tournée de la Star Academy. L'occasion pour les fans de continuer à soutenir leurs artistes préférés. Et surtout pour ceux-ci de prouver aux yeux du public que leur place n'était pas volée. À l'instar de Pierre Garnier, le finaliste semble lui aussi sur la piste d'un nouveau single à présenter au public. Julien Hyde de retour au studio. Ce dimanche 5 mai, signait le dernier concert de la Star Academy. Du moins, le dernier avant un long moment. Ainsi, Pierre Garnier a profité de cette occasion pour annoncer la sortie prochaine de son single. Du côté de Julien Hyde, il est aussi temps d'abattre ses cartes. Effectivement, il avait confié ne pas avoir été satisfait de son premier single auprès de Pyrénées FM. Moi je suis extrêmement perfectionniste et presque lourd par rapport à ça. On n'a évidemment pas eu assez de temps pour le peaufiner au maximum. Aujourd'hui sur Instagram, Julien Hyde a posté une story en studio avec un certain Ota. Celui-là même qui a permis à Stan Rittner de la Star Academy 10 de sortir plusieurs singles. Il y a fort à parier que ce dernier concoctera un titre au petit oignon pour le jeune homme. On a hâte.